sur la chaîne du Chuchoteur ASMR. Aujourd'hui, je vais vous proposer un sujet un peu controversé. Et je vais vous expliquer comment fonctionne une méthode qui permet, selon certaines personnes, de communiquer avec les morts. Donc rassurez-vous déjà, de une, tout va très bien dans ma tête. Il n'y a aucun souci. J'aime juste en faire des sujets différents qui pourraient coller avec l'ASMR. Et étant donné que cette méthode de communication a un rapport avec le son et les instruments, je trouve assez intéressant l'idée d'en faire un sujet ASMR. J'annonce tout de suite pour les personnes qui sont sceptiques ou les autres qui vont se sentir obligés d'envoyer des messages à la con. Inutile de vous donner cette peine. Vous pouvez tout de suite couper cette vidéo et passer à autre chose. Ou regarder quelqu'un d'autre. Qu'on soit bien clair, cette vidéo n'a pas pour but de vous convaincre que ça fonctionne. Cette vidéo a pour but de vous montrer comment ça fonctionne. Cette méthode s'appelle la TCI. C'est la transcommunication instrumentale. L'idée est de faire un bruit parasite blanc, donc quelque chose de linéaire, de plat, d'y mettre un micro, de poser des questions, et d'écouter après l'enregistrement les réponses qui sont faites. C'est très difficile d'obtenir du résultat. C'est très long, c'est très contraignant. Ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Je suis quasi certain que sur cette vidéo qui durera peut-être, je sais pas, 30 ou 45 minutes, parce qu'on va faire un test de 15 minutes, le temps de prendre et de sortir le petit enregistrement, on va voir un peu ce que ça donne, mais on va se le faire en direct. On va faire ça pendant, je pense, un quart d'heure, 20 minutes, le temps d'installer, etc., etc. Je pense que, enfin, ça fonctionnera pas, mais bon, après, voilà. Ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est que... Déjà, il faut savoir que ça fait un petit moment que ça me trotte dans la tête de faire ça. Je dirais presque un an. Et la chaîne a 2 ans maintenant. Il y a beaucoup, beaucoup de sujets que je voudrais traiter. Il y a toujours des problèmes de temps, parce que je fais pas mal de choses. Mais ce sujet-là, ça doit faire peut-être un an que ça me, enfin, que ça me trotte. Et que j'ai envie de faire ça depuis un an. Et j'ai jamais fait. Voilà, je me suis dit, c'est peut-être pas bon, c'est peut-être pas ce qu'il faut, etc., etc. Et il y a 3 jours, en fait, 3 ou 4 jours, j'ai une personne, en fait, que je connaissais, un proche, quelqu'un de très important, en fait, pour moi, qui est mort. Et j'ai pas eu la possibilité d'aller le voir pour lui dire au revoir. Donc, je me suis dit, c'est peut-être un signe. C'est peut-être un signe qu'il faut que je fasse cette vidéo. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, ce sera peut-être aussi pour moi une façon de lui dire adieu. Même si, encore une fois, je suis très sceptique sur ce résultat. Mais encore une fois, je répète une dernière fois, ce n'est pas... Cette vidéo n'est pas faite pour vous prouver que ça fonctionne. C'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors, vous avez 2 choses. Après, libre à vous de vous entraîner chez vous ou de regarder. Il n'y a pas de risque, il n'y a pas de problème de possession, ou je sais pas quoi. J'avais déjà fait ça quand j'étais un peu plus jeune. J'avais fait ça pendant un long moment et j'avais eu 2-3 petits trucs. Mais c'est très très long. Vraiment très très long. J'ai pas eu de résultat tout de suite, quoi. Pour pouvoir réaliser ça, il vous faut en fait quelque chose qui fasse du bruit. Donc en général, les chercheurs ou les gens qui pratiquent la TCI utilisent soit une radio, comme ça. Ça c'est une radio qui fait DVD, enfin qui fait pas mal de choses, mais j'ai trouvé ça. Vous avez des enceintes
et vous avez un petit micro. Alors techniquement, étant donné que je suis en train de tourner cette vidéo et que je vous parle, je ne peux pas me permettre de faire de bruit de parasite au-dessus du micro avec lequel je parle. Donc j'utilise ce petit mégaphone, enfin ce petit magnétophone, pardon. C'est un Olympus, c'est quelque chose de très simple, c'est un digital. C'est un petit magnétophone pour enregistrer la voix dans des conférences ou ce genre de choses. La particularité de ce petit micro, c'est qu'on peut y mettre un micro intégré et on peut le faire sortir aussi pour des oreillettes. C'est ce qui m'intéresse en fait. L'idée, c'est de pas... Théoriquement, vous devriez faire tourner ça et enregistrer votre voix et les enceintes avec un seul et même micro. Mais comme je vous l'ai dit, pour le bien de cette vidéo, étant donné que c'est un but à ASMR malgré tout, le but est de m'entendre correctement avec un micro et d'enregistrer sur un autre. Pour vous montrer ma bonne foi et le fait que je fais ça en toute transparence, je vais enregistrer avec ce micro-ci et le laisser tourner constamment. Donc, je vais appuyer là-dessus. Et là, voilà, vous entendez. Ok, on est d'accord. Voilà. Donc, même si je parle théoriquement, vous devez m'entendre sur ce micro-là. Voilà. Donc ce micro-là va servir à enregistrer le son qui sort des enceintes. Mais comme je vous l'ai dit, étant donné que je ne vais pas faire de parasite avec les sons, je vais y mettre un petit cordon de jack pour que vous puissiez en fait l'entendre dans le micro principal. On le place comme ça. Ou à la limite, comme ça, ça n'a pas d'importance. Cette méthode s'appelle Frédéric Jorgensen. En fait, c'était un peintre et un chanteur d'opéra. Et un jour, il a décidé d'enregistrer les oiseaux dans une campagne suédoise. Et en repassant la bande, il s'est aperçu que il entendait une voix d'homme. Et alors qu'il était présent dans cet enregistrement. Et à aucun moment il y a eu un homme qui est venu ou ce genre de choses, enfin. Et en fait il a décidé de se lancer là-dedans, dans l'étude des voix électroniques. Donc il a pensé que c'était des interférences radio, mais en fait il a passé presque toute sa vie à faire ça. Il y a plusieurs personnes en fait qui l'ont rejoint, des ingénieurs. Mais tout ça, c'est toujours dans le sillage quoi, de Edison, quoi, avec la lampe à incandescence, etc. etc. Donc des gens qui sont très sérieux, qui ont étudié ces phénomènes, en fait, presque toute leur vie, pour voir si ça fonctionnait, etc. etc. Donc, voilà. Il s'avère aussi que Jorgensen, il s'est rendu compte que la fréquence la plus adaptée en fait pour entendre des voix était 1485 kHz. Donc pour bien vous montrer que on va se mettre là-dessus, j'ai la chance en fait d'avoir une petite radio avec la possibilité de mettre le signal en Hertz. Et comme je vous l'ai dit, pour être complètement transparent avec vous, elle va rester sur ce canal-là. Et le petit micro qui est là reste aussi ici. Donc le but, c'est de ne pas couper la vidéo qu'on est en train d'enregistrer actuellement. Donc ça continue à enregistrer, le petit son que vous entendez derrière. Et on va aller se placer sur
le 1485 kHz. Donc je te repenche un peu. Vous pouvez non seulement utiliser une radio, mais vous pouvez aussi utiliser, si vous le souhaitez, une télévision. Vous avez toujours de la neige, un peu. C'est ce qu'on appelle le rayonnement fossile sur des télévisions. Comme je vous l'avais expliqué, c'est les restes du Big Bang. Mais cette neige, en fait, a aussi un son, et ce son peut faire office. Vous pouvez utiliser soit la télévision avec un écran, vous pouvez filmer cet écran pour voir s'il y a des formes. Ça, ce sont les chercheurs un peu plus aguerris qui testent ça. Et vous avez aussi des radios. Vous pouvez même, si vous voulez, utiliser un ventilateur. Parce qu'un ventilateur, ça fait du vent, ça fait un mouvement. Et ça peut faire une sorte de souffle dans le micro. Vous avez aussi de l'eau, des gouttes d'eau. Il y a beaucoup de personnes encore aujourd'hui, des chercheurs qui sont vivants, qui font des recherches là-dessus, comme le père Brune, par exemple, qui magnétise en fait de l'eau, et à l'aide de l'eau, il fait des expériences TCI. Donc si vous voulez, ça a commencé dans les années 50, donc par un Suédois, comme je vous l'ai dit, Jorgensen, donc la date exacte, c'est en 59. Et en fait, complètement par hasard, il a découvert ce système. Il a étudié, il a approfondi. Et après, il a fait des thèses controversées, mais avec. Enfin, bien des années ont passé, et il semblerait que ça. Il y a deux, trois petites preuves, en fait, de ce qu'il avait avancé à l'époque. Par contre, pour nous, il faudra attendre les années 80 pour qu'on commence à s'y intéresser. Cette méthode, en fait, a but de réconforter, un but pour donc réconforter forcément, parce que quand on a quelqu'un qui meurt, on a toujours l'impression de ne pas lui avoir dit tout ce qu'on voulait. Après, c'est une sorte d'évolution spirituelle qui veut comprendre. On voudrait comprendre et rentrer en contact avec la personne qui nous est réservée. Il n'y a pas forcément de danger. Même
même si un contact avec l'invisible, c'est pas... Ça peut soulager, ça peut un peu guérir si vous voulez, mais il n'y a pas de choses invisibles. Il faut pas que ça vous déstabilise. Après, chaque personne croira ou n'y croira pas. Ça, c'est propre à chacun. Considérez que la TCI, en fait, c'est comme un téléphone entre vous et le défunt. Les gens avec qui vous pouvez communiquer sont des gens qui sont restés entre les guillemets, entre les deux mondes. Tout ce que je vous dis sont des témoignages, des faits rapportés, etc., etc. Voilà. Donc vous entendez toujours le bruit, vous entendez ma voix. On va essayer maintenant pendant 15 minutes. Si quelqu'un est présent ou si quelqu'un m'écoute, qu'il se manifeste. N'hésitez pas à attendre. N'hésitez pas, quand vous posez la question, à attendre une réponse. Si vous faites ce genre d'expérience, vous pouvez être pris d'une sorte de malaise ou d'atmosphère pesante, mais rassurez-vous. Surtout pas hésiter à attendre. Vous pouvez attendre, attendre et attendre. Ça peut être extrêmement long. Vraiment, vraiment, vraiment très très long. Je vais juste faire un petit truc. De toute façon, l'abandon est enregistré, donc vous pouvez vous la repasser indéfiniment. Vous pouvez très bien faire autre chose en attendant. Vous pouvez être concentré, mais faire autre chose, c'est pas un souci. Le TCI, c'est une forme de médiumité. Donc, avant, on l'appelait EVP. Ça a pour but en fait de communiquer avec les défunts. Des fois vous pouvez communiquer avec des gens que vous ne connaissez pas, c'est possible. Ça peut l'être. Après les formes de signaux que vous aurez seront très difficiles à percevoir. C'est très rare quand vous avez un signal qui est distinct et audible. Au début il va falloir chercher, il va falloir peut-être trifouiller un petit peu le son avec les aigus, les graves, pour essayer d'entendre quelque chose de correct. Le son que vous entendez de toute façon est parfaitement plat. Le canal n'a pas changé. Et l'enregistrement tourne avec le micro. Selon les chercheurs qui développent cette thèse,
explication, ça serait que les défunts pourraient, entre guillemets, tordre les ondes. Et nous envoyer un message via un parasite. C'est l'explication la plus simple qu'il nous donne. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, je pense que sur 15 minutes, vous n'aurez pas de résultat. D'autant plus qu'il n'y a aucune préparation pour cette vidéo. Je l'ai fait complètement à l'instinct. Je me suis décidé au dernier moment. Donc, le temps juste pour moi de récupérer une radio. S'il y a un défunt qui m'entend, manifeste-toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce qui est intéressant, c'est que parfois quand j'étais devant la télé, quand j'étais un peu plus jeune, des fois je m'endormais devant la télé. Et alors peut-être que les jeunes de maintenant ne vont pas trop savoir de quoi je parle, mais à mon époque, on avait des télévisions où quand le programme s'arrêtait, on avait de la neige. Je sais que c'est un peu compliqué à comprendre, mais voilà, il y avait des programmes qui s'arrêtaient durant la nuit, et on avait de la neige. Quand j'étais petit, moi, cette neige me berçait, en fait. Hein. J'adorais regarder les points de neige qui bougeaient dans tous les sens, et j'essayais d'en fixer un, et j'écoutais aussi le son que ça faisait, et des fois, j'imaginais des formes. À force de fixer la neige, j'imaginais des formes. Et c'était reposant, en fait, finalement. Et c'était une forme pour moi d'ASMR, même si à cette époque-là je n'avais aucune connaissance sur l'ASMR, ni aucune explication. Mais c'était à l'époque déjà, il y a très longtemps, enfin il y a longtemps, c'était intéressant déjà. C'est pour ça que ce petit son au fond, peut-être que certaines personnes vont y trouver leur compte en déclencheur, plus la voix, c'est possible. Toujours en mettant, entre parenthèses, le côté un peu glauque du sujet. J'espère d'ailleurs que ça ne vous perturbera pas de trop. Si quelqu'un m'entend, défunt, manifeste-toi.
s'il y a quelqu'un qui se manifeste, j'écoute. Ça, je sais pas si... Ça peut être très bref, je... faudra réécouter. J'essaierai d'épurer la bande. Mais vous voyez, le canal n'a pas bougé. Le micro non plus. Donc après, voilà. C'est, encore une fois, je ne cherche pas à vous... convaincre. Mais voilà. Je suis assez étonné d'ailleurs, mais bon. On va essayer d'aller un peu plus loin. J'essaie de ne pas la faire trop longue cette vidéo parce que sinon ça risque de ne pas avoir d'intérêt. On est déjà plus de 15 minutes. Quel est ton prénom ? Quel est ton prénom ? Rassurez-vous, vous pouvez faire pas mal de choses en même temps. Vous pouvez écrire, faire des recherches, laisser le son. Il n'y a rien de solennel. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un ton particulier. Quelque chose de très ostentatoire. Pas du tout. Vous pouvez rester complètement naturel. Et de toute façon... Quel est ton prénom ? C'est l'exemple type de la TCI. Vous avez des petits bouts d'informations, des petits des sons qui changent. Vous avez pas mal de choses comme ça, mais ça demande du temps, vraiment beaucoup beaucoup de temps. C'est très très rare d'avoir, comme je vous le disais tout à l'heure, un résultat qui soit direct. C'est, enfin, j'ai jamais vu ça moi. Voilà. Mais par contre, vous voyez que rien ne change, et au niveau du signal, et malgré tout, vous avez des variations dans les signaux. La TCI, c'est ça. Voilà. Plus vous pratiquez, plus vous avez de chances d'aboutir à un résultat. Un résultat qui sera de toute façon aléatoire en fonction du temps que vous allez y passer. Mais des fois, c'est parfois distinct. Des fois c'est un peu mâché, des fois c'est pas français. Des fois vous pensez entendre quelque chose, mais c'est juste un bruit, c'est juste un fond. Donc c'est très, très aléatoire. Si vous essayez de faire ça chez vous, n'hésitez pas à prendre du temps pour le faire. Mettez-vous dans les meilleures conditions, faites ça au calme. Vous pouvez faire ça en pleine journée, ça ne dérange pas. Vous n'êtes pas obligé de faire ça la nuit avec des bougies ou ce genre de choses. Ça n'a rien à voir. C'est pas une incantation, il n'y a pas de possession. C'est juste une communication. C'est une médiumité en fait. C'est comme les médiums. C'est exactement la même chose. Donc inutile d'avoir peur ou de se demander ce qui va arriver. Il ne va rien arriver. Rien du tout. Donc relax. Restez calme. Parfaitement calme. C'est que moi je peux faire cette vidéo avec vous et faire l'expérience en même temps. Donc comment t'appelles-tu? Comme je vous le disais, j'ai
cette expo. Si vous avez compris quelque chose. Mais voilà, comme je disais donc, là. Plus de 20 minutes maintenant de vidéo. On peut faire une vidéo de 3 heures, ça changera rien. Vous aurez toujours ce genre de petit signal, entre guillemets. Vous aurez 2-3 petites touches, 2-3 contacts. Pour en avoir beaucoup plus. Encore une fois, je sais pas. Je peux pas vous dire si ça fonctionne ou pas. Moi, je sais que je l'ai fait à un moment donné. Assez souvent, et c'est vrai qu'on avait des résultats assez bizarres. Bon, voilà, mais ça n'engage que moi. Après, est-ce que vous, ça va vous le faire? Est-ce que vous y croyez ou pas? Ça, c'est à vous de voir. Si vous faites cette expérience, encore une fois, prenez le temps de le faire. Prenez vraiment, vraiment le temps. Soyez dans de bonnes conditions. Prenez de l'eau, parce que ça risque d'être très long. Si vous préférez faire ça la nuit, faites-le la nuit. Parce que c'est plus calme, peut-être. Mais le jour, ça fonctionne aussi, il n'y a aucun problème. Ça fonctionne. Donc, mettez-vous dans de bonnes conditions, c'est ça le plus important. N'oubliez pas le canal qui est indiqué ici. Ce canal-là, en fait, est, donc c'est sur AM, okay, les longues ondes, AM. Et vous prenez ce petit canal-là. Avec une radio, même les iPods le font. Donc voilà. Canal 1485 kHz. Vous pouvez utiliser une télévision, enregistrer la télévision aussi avec une caméra et le son. Ça, ce sont pour les recherches les plus poussées. Alors évidemment, il y a eu plusieurs films qui ont traité de ce sujet, mais je vous confierai que de toute façon, ça, je le mets un peu de côté, parce que ça reste du cinéma. Mais qu'il y a une vraie communauté, il y a même une fondation qui appartient à la TCI. Voilà, je vous mettrai peut-être quelques liens dans la description de la vidéo si vous le souhaitez. Et il y a plusieurs sujets qui sont passés sur des radios, même en France, à la télévision aussi, sur France 4, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, j'espère que ce petit sujet vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, ce genre de choses. Vous avez la page Facebook du chuchoteur. J'ai créé un compte Twitter. Suite à une forte demande de vous, les youtubeurs. Merci infiniment pour les gens qui ont participé, enfin qui participent encore à Tipeee, qui permet de contribuer en fait aux vidéos et aux recherches et aux petits travaux qu'on fait ensemble. Merci beaucoup. Un message va être fait dans pas très longtemps pour ça. Voilà, bonne recherche, bonne expérience. Je vous dis à bientôt.
bonne nuit si vous allez vous coucher. Et bon réveil si vous venez de vous réveiller.